processus de réconciliation commence par l'élection. Donc, c'est un peu tard, mais nous disons que ça fait partie de ce que nous avons pu entendre. Qu'enfin les victimes soient reconnues et soient écoutées. Donc, bien sûr, nous venons poser nos revendications et nous pensons qu'il serait intéressant justement de tenir compte de toute cette problématique-là et que nous maîtrisons depuis bien longtemps. Aujourd'hui, nous avons l'association bien sûr des victimes de Gambaro, nous avons l'association aujourd'hui aussi des victimes du 4 juillet, tout en rappelant qu'il y a des victimes du Gambaro qui sont dans le 4 juillet et il y a des victimes du 4 juillet qui sont dans l'association des victimes du Gambaro. C'est une culture d'impunité qui a existé depuis les indépendances jusqu'à présent. Donc cette culture d'impunité que nous devons arrêter. Et voilà pourquoi nous pensons que tous ensemble, maintenant, nous pouvons avoir le même langage